quand tu entends le terme relation amoureuse, qu'est-ce que ça t'évoque intérieurement? Quel sentiment, quelle émotion ça provoque en toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt agréable ou plutôt désagréable? Est-ce que tu as le sentiment que tu vas vers quelque chose qui te fait parler ou te fait penser plutôt au combat, la peur, la résistance, la séparation, ou plutôt de l'autre côté, l'union, l'amour, le être ensemble? Vraiment, je te demande de faire une pause et de laisser venir toutes ces informations à toi. Quand tu regardes de nombreuses vidéos sur Internet, quand tu regardes des contenus sur Google et autres, il est possible, et je m'adresse à toi si c'est le cas, que naturellement, ou plutôt par force de répétition, tu sens que les relations amoureuses te font penser à quelque chose qui est plutôt de type relation de combat, relation de séparation quelque part, en voyant justement des différences entre les hommes et les femmes, des choses qui les opposent, comme la différence sur l'envie de s'engager, comme la différence sur la communication de ses propres sentiments, la différence par exemple sur la forme de raisonnement, l'homme est paraît-il plus logique et la femme plus dans l'émotion. Tout un lot, un package d'informations qui limite, si tu veux, l'accès à l'union, au fait d'être ensemble. Ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est un nouvel angle de vue et une nouvelle façon de regarder les relations. Ma vision et ce à quoi je crois, ce sont des relations d'équipe, des relations de partenariat entre un homme et une femme. C'est-à-dire où on va se retrouver sur des choses qui sont importantes à nos yeux, avec la cerise sur le gâteau, l'intention d'élever l'autre. Je crois que c'est de cette façon que nous pouvons concevoir des relations saines, des relations sérieuses. Pour t'en parler, je vais te donner une illustration très simple. Que tu sois doué ou non dans ta capacité à te lier à l'autre, que ce soit un homme ou même une personne dans ton travail, des amis ou autre, tu verras que naturellement, instinctivement, la première chose que tu fais ou que tu risques de faire, c'est d'aller chercher des points en commun, aller chercher des informations qui vont pouvoir te relier avec la personne. Tu rencontres n'importe quelle personne ou tu observes dans un bar, par exemple, en soirée ce qui se passe. Quand deux personnes se rencontrent, c'est bonjour, salut, comment tu t'appelles, comment tu vas? Et le premier réflexe va être de trouver des choses qui peuvent nous unir, comme la question tu habites où, tu viens d'où, tu fais quoi dans la vie, tout ça dans le but d'aller chercher cette similitude. Bien sûr, tu as d'autres façons de fonctionner qui vont à l'opposé chercher directement la source de différence, la source de conflit. Ça peut être intéressant parce que ça crée de l'émotion et cette émotion peut aussi mettre de l'attention et pour la suite aller chercher la similitude. Mais je crois que dans une relation amoureuse, comme dans une relation quelconque si tu veux, autre que amoureuse plutôt, il est beaucoup plus puissant d'aller chercher cette similarité avec l'autre. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager, si tu le veux bien et si aussi tu veux voir d'une autre façon tes relations pour amener beaucoup plus, pour les assainir si je puis dire et les faire durer, allons chercher ensemble quelque chose qui est donc souvent oublié par habitude justement de rechercher le conflit, la différence, les choses qui nous opposent et d'accentuer cela en allant chercher des points communs entre hommes et femmes, des points communs qui sont indispensables au bon fonctionnement de la relation. Donc ma proposition du jour, c'est de te partager tout de suite des points communs entre les hommes et les femmes pour vivre une relation de qualité. Et après cela, je te proposerai un petit exercice sympathique. Donc la première chose que je veux te partager, c'est que j'ai constaté que ils et elles rêvent tous et toutes d'avoir une personne sur laquelle elle peut s'appuyer. Une personne sur laquelle elle peut s'appuyer, pour moi, ça signifie, et je te demande d'y réfléchir, d'y penser sérieusement, ça signifie une personne qui réunit ces trois points. Le fait de guider ou être guidé, d'aider ou d'être aidé et de soutenir ou d'être soutenu. L'idéal, c'est d'avoir les trois. J'ai jamais rencontré un homme qui me dit l'inverse de cela. Tous les couples que j'ai vus qui étaient épanouis, que j'ai regardé et analysé en profondeur, réunissaient clairement cette idée que oui, je compte sur cette personne et oui, elle peut compter sur moi. C'est quelque chose juste qui est fondamental. Et d'ailleurs, les points que je vais te partager sont pour moi des fondamentaux. Le deuxième, et je vais m'attarder plus sur les hommes puisque je parle aux femmes dans cette vidéo, le but c'est de te partager ce que veulent vraiment les hommes et qui ne disent pas forcément, mais qui est en commun avec les femmes, c'est ce trio magique, les trois C, qui fait l'unanimité pour vivre des relations sérieuses. La connexion, la confiance et la complicité. Quand je parle de connexion, je parle de ce lien qui n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais qu'on peut sentir. On peut le percevoir sur une connexion au niveau de ses besoins, au niveau de ses valeurs, au niveau de ses objectifs. Et à ce moment-là, plus on monte
comme si tu avais une pyramide dans l'échelle donc de cette connexion, plus c'est puissant. La connexion est le point de départ vers l'engagement. On en parlera dans d'autres vidéos, mais c'est nécessaire et indispensable pour que la relation avance et soit stable, je dirais. Donc quand je parle de connexion, je parle notamment au niveau physique, rappelle-toi, besoin, objectif, valeur. Au niveau aussi émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel et même au niveau onirique des rêves. Quand je touche à une connexion à tous ces niveaux-là, ça devient quelque chose de formidable. Pour la confiance, en quelques mots, l'idée qu'il y a dessous, c'est se fier à quelqu'un. Se fier à quelqu'un en me disant, avec les signaux que je vois de lui, avec les actions qu'il a montrées, je donne une certaine lâcher prise sur le fait que son intention est bienveillante et je me laisse aller dans cette dimension. Derrière la confiance, il y a la notion de foi, il y a la notion de je suis OK avec ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui est essentiel à la relation et à son fonctionnement et même au fonctionnement global de la création d'une société. La complicité est particulièrement, d'un premier temps, au niveau sexuel. Pourquoi au niveau sexuel? Parce que la sexualité, c'est la base même de la vie. Donc complicité, c'est pour moi, dans ma vision des choses aujourd'hui et ce qui relie les hommes et les femmes, ce qu'ils veulent, hein, particulièrement les hommes et les femmes, c'est quand il y a cette synchronisation. Tu pense à lui pour lui envoyer un message et en même temps, il t'envoie un message. C'est le fait que quand, au niveau intellectuel, au niveau de ton schéma de pensée, tu dis une phrase ou tu développes une idée et il peut finir ta phrase ou développer ton idée en même temps que toi. Et c'est aussi cette anticipation de tes pensées, également de tes émotions, de tes mouvements qui permet justement de te donner cette confiance qui amène à une certaine forme de sécurité. D'accord ? Et la troisième chose que je vais te partager, que les hommes veulent vraiment et que les femmes également veulent, si tu vas vraiment en profondeur, c'est la libre expression de soi. Je parle dans la relation. La libre expression de soi, c'est un mélange d'assertivité et de lâcher prise. Quand je parle d'assertivité, c'est de dire non quand j'ai envie de dire non. C'est de terminer une conversation quand j'ai envie de terminer une conversation. C'est d'oser formuler une critique quand je vois que quelque chose peut être amélioré. Et quand je parle de lâcher prise de soi dans la relation, c'est chanter quand j'ai envie de chanter, même si je ne sais pas chanter. Peut-être t'entends le bateau là, c'est énorme. Je suis sur le port de Lisbonne. Ok, ça s'est calmé. Il s'est un peu excité. Donc je parlais de chanter quand j'ai envie de chanter. Également, si j'ai une nouvelle lubie, je ne sais pas, j'ai envie de faire du paddle, du yoga paddle, eh bien je partage ma lubie, même si ça ne va pas durer, c'est l'été, je pense à ça tous les jours, j'en parle. Tu vois, c'est cette idée de « Ok, il se passe quelque chose en moi, je le partage, mon émotion, mon nouvel objectif du moment, j'ai envie de faire une blague foireuse, eh bien je lâche ma blague foireuse. » Je ne suis pas, tu vois, dans l'intention de voir le résultat de ma blague, si elle marche ou pas, je suis plutôt dans « Elle est en moi maintenant, elle s'apprête à sortir, je la laisse. » Tu vois, ça pour moi, c'est la chose la plus puissante d'ailleurs, de mon point de vue, si tu veux savoir, qui, quand tu es dans cette dimension de assertivité et de lâcher prise, d'authenticité pure, c'est à ce moment-là vraiment que tu peux rentrer dans une relation en toute sérénité. Et l'autre va le percevoir parce qu'il sent ce que je sens et ça peut être juste formidable. Donc, je te rappelle les trois points que je t'ai partagés ici, que les hommes veulent vraiment, pas forcément, ils vont te le dire, mais ils veulent vraiment, crois-moi, et que tu peux relater avec ton expérience. C'est la première chose, on rêve tous d'avoir une personne sur laquelle on peut compter, guider, aider, soutenir. La deuxième chose, c'est le trio magique, les trois C, connexion, confiance, complicité. Et le troisième point, c'est la libre expression de soi. Je t'en remets maintenant à ce petit exercice que je voulais te proposer, tout simplement en commentaire de me dire, toi, parce qu'il y en a des millions, si on va bien chercher, mais là, je voulais vraiment rester dans les fondamentaux, de me partager en commentaire et de nous partager en commentaire trois choses. Au moins une, ça serait génial, qui selon toi réunit les hommes et les femmes. Merci d'avance pour ton partage. Si tu es sensible au contenu, à ma vision que je partage sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et tu peux recevoir directement dans le premier lien de la description de la vidéo ton cadeau offert qui est tout simplement une formation dans laquelle, vidéo après vidéo, tu verras, il y en aura trois au total, je vais te partager les grands principes de la séduction et de relations hommes-femmes, il y en a 5 au total. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je te partagerai les 3 méthodes qui fonctionnent en séduction avec leurs avantages et inconvénients. Et dans la dernière vidéo, je te partagerai les erreurs à éviter complètement, sauf si tu veux faire fuir l'homme qui t'intéresse. Je te retrouve de l'autre côté pour cette formation et également pour de nouveaux partages sur la chaîne YouTube. Salut !